Bonjour, en entendant ce générique, j'ai très envie d'inviter la personne qui est face à moi à danser. Bonjour André Dussolier. Bonjour Catherine. Est-ce qu'aujourd'hui je peux vous inviter à danser? Mais oui, enfin j'aurai un petit peu de mal aujourd'hui parce que je suis un petit peu blessé, mais je n'arrête pas de danser. Ben, je joue Novecento au Théâtre du Rond-Point. Et c'est un monologue théâtral, mais j'y ai associé la musique de jazz des années 30, donc à l'orchestre qui est là en scène, et donc je ne me prive pas de danser en scène. Et j'aurais volontiers dansé avec vous aujourd'hui, sauf que je me suis blessé lors d'une représentation, et donc voilà, j'ai les tendons un peu abîmés, donc il faut que le temps que ça se ressoude. Un peu de repos. Un peu de repos, et après, toutes les valses que vous voulez. Bon, un peu, donc le spectacle, quelques représentations qui ont été annulées, oui. Mais ça va reprendre très très vite, le temps évidemment que les tendons se consolident. C'est une petite récréation en quelque sorte. Hein, oui, mais avec plaisir. Voilà, dans cette convalescence, et ça va nous permettre de parler du spectacle. Parce que le spectacle, en fait, a lieu au Théâtre du Rond-Point dans peu de temps, là, à Paris, et puis ensuite, il va y avoir une tournée, ça, jusqu'en mars 2017. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que vous êtes agacé, là, en ce moment? Oui, c'est très frustrant d'être oui, bloqué en plein élan. Un peu tendu. Oui, parce que j'étais dans un élan physique, et puis de plaisir et de partage avec le public. Et puis, bon, je ne suis pas tendu, mais il faut que je prenne mon mal en patience. C'est toujours difficile quand le corps vous oblige à vous arrêter. Voilà. Et André est un impatient. Est-ce que vous diriez, André Dussolier, que famille, je vous hais? Famille, je vous hais, non. Non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça, même si... C'est trop famille, fort. C'est imparfait, oui, c'est trop fort. Même si une famille, c'est toujours imparfait, une éducation est imparfaite, et que, voilà, mais on construit sa vie avec tout ça. Mais vous l'avez oublié? Non, on n'oublie rien de son enfance, on se souvient, c'est incroyable comme la mémoire peut emmagasiner des tas de souvenirs, des précisions. Puis quand on commence à, je sais pas, à se remémorer ou à rentrer dans une phase de son enfance à travers une image ou, je sais pas, un texte ou bien n'importe quoi, et des tas de choses remontent à la surface, c'est incroyable. Mais des bonnes ou des mauvaises? Tout. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance à... Il y a une sélection naturelle, c'est plutôt les bonnes choses que je retiens, ou du moins, même si c'est les mauvaises, C'est la faculté de les avoir transformés pour que ce soit positif et que la vie suive son cours. Pourquoi vous appeliez votre père le persécuteur? C'est pas moi, c'est dans le village où j'habitais, parce qu'évidemment, il était percepteur. Et donc, le percepteur, alors que franchement, il donnait aussi des pensions, je sais ça par lui, et puis qui délivrait aussi des permis de chasse. Et, bon, mais c'était celui aussi qui prélevait les impôts. Donc, évidemment. On voit vos parents là? Ah oui, d'accord. C'est une remise de médaille? Oui, c'est une remise de médaille, ils étaient là. Une médaille qu'ils auraient beaucoup plus, en l'occurrence mon père, beaucoup plus mérité que moi, parce que mon père, il a fait la guerre, il était prisonnier, ça a duré vraiment très longtemps, il s'est évadé deux fois. Un héros. Donc un héros, oui, franchement. Et c'était une région, en plus la Haute-Savoie, où il y avait beaucoup de poches de résistance, et où vraiment il y avait beaucoup de risques pour toutes les personnes pendant la guerre. Là, vous parlez de votre père, vous parlez rarement de votre mère, inspectrice des impôts. Ah si, ma mère, ma mère inspectrice des impôts aussi. Alors donc, ils étaient vraiment toujours souvent en train de parler de chiffres et des impôts. Du coup, vous êtes réfractaire aux chiffres. Donc, c'est vrai, je suis un peu réfractaire et j'avais envie de m'évader un peu ailleurs. Et voilà, mais non, ils étaient tous les deux très différents. Mon père venait de la moyenne montagne, d'un milieu paysan, et ma mère était citadine, d'Annecy. Et donc, j'y trouvais mon compte entre la montagne et la ville. D'origine italienne? D'origine italienne, en effet. Elle a fait des recherches comme ça, et on a vu que c'était un Italien, Bozzetto, qui avait suivi Napoléon pendant les campagnes et qui s'était arrêté à Annecy, qui n'avait pas été plus loin. Coiffeur, donc toute la génération qui a suivi est devenue coiffeur, de père en fils. Et ma mère était l'enfant jumelle, la sœur jumelle, elle était sœur jumelle. Et il y avait beaucoup de frères, et voilà. Non, il y avait... Je suis fils unique, mais en même temps, j'avais toujours l'impression d'être dans une grande famille grâce à ça. Allez, la suite, elle nous est racontée ce matin par Magali Defer. Avoir des parents percepteurs, ça ne laisse pas indemne. J'entendais parler de chiffres tous les jours, à midi, le soir, etc. Et donc je me suis réfugié, moi, dans les lettres. Eh bien, ce matin, nous allons tenter de vous réconcilier, vous, l'homme de lettres, avec les maths, grâce à votre carrière. Pour vous, André, nous avons compté 44 ans de carrière et 94 films à votre actif. Exact. Le numéro 1, c'était celui-ci, avec Truffaut. Et elle présente très bien. À vos débuts, vous collectionnez les rôles d'Intello avant qu'une curieuse addition change la donne et révèle votre potentiel comique. Qu'est-ce que c'est que ce boutard-là?
pas dans nos conventions, ça. J'aime bien la fantaisie. Vous aimez surtout multiplier les plaisirs et les apparences. Heureusement que le métier de comédien nous offre des choses un petit peu différentes, des familles différentes. Résultat des opérations, 70 printemps et autant de réalisateurs à votre compteur. Romer, Jeunet, Duguin, entre autres. Mais c'est l'équation Dussolier-Rennais qui bat tous les records de fidélité avec 7 films au total. Un tel plaisir de se retrouver ensemble qu'il pourrait nous donner le bottin à lire ou à jouer qu'on irait. Et vous y allez quand il vous demande de chanter. Vertigineux doit être le nombre de femmes à qui vous avez fait tourner la tête. Après les rapports officiels, on dit qu'un homme en moyenne connaît de 12 à 15 femmes dans sa vie. Là, André, on vous laisse calculer. Mais vous savez, il n'y a pas de quoi se vanter. En tout cas, vous pouvez vous vanter d'avoir eu 3 Césars, un Molière, 3 premiers prix de conservatoire. Je ne puis les aimer, mon cœur est parti. Et jouer dans 22 pièces de théâtre où là aussi vous êtes multiples. Et dis ta gueule ! À tout cela s'ajoute la liste de vos envies. Ah, il me faudrait quand même 2-3 vies. Pour devenir sportif, commentateur, journaliste. Le journalisme m'aurait beaucoup tenté. Ou même chef d'orchestre. Pour finir, un chiffre qui nous est cher, 5, comme le nombre de fois dans thé ou café. Mais vous savez ce qu'on dit, quand on aime, on ne compte pas. Ah, c'est un bon chiffre, 5. Est-ce que vous êtes un acteur ou un comédien? Vous êtes à cheval sur les mots? Oui, j'aurais tendance, parce que je sais la démarcation qu'on fait, à choisir le mot de comédien. Parce que comédien, pour moi, c'est vraiment jouer des personnages tout à fait différents. Un acteur, enfin, ça a souvent été dit par nos aînés, un acteur, c'est celui qui est lui-même et qui attire les personnages à sa personnalité. Moi, j'aime bien le comédien. C'est d'ailleurs... Moi, je suis né un peu dans ce métier au moment où il y avait la génération de tous les acteurs américains qui se métamorphosaient d'un rôle à l'autre, qu'on ne reconnaissait pas. Jusqu'à, je ne sais pas, comme De Niro prendre 30 kilos dans Raging Bull ou bien Dustin d'autres. Dustin Hoffman. Voilà, ouais. Donc ça me plaisait bien. Parce que je trouvais que sur la durée d'une carrière, c'était bien de pouvoir surprendre le public et d'avoir cette complicité avec le public en se pliant à l'histoire qu'on racontait et aux personnages qu'on incarnait. Enfin, vous voilà. Vous surprenez, André? Vous vous surprenez parfois en tant que comédien? Parce qu'en fait, dans la réalité, on vous connaît, vous êtes un homme courtois, bien élevé, très gentleman, et dans certains rôles, mais vous vous lâchez totalement. Oui, c'est un peu fait pour ça, quoi. C'est-à-dire que mais le métier de comédien... Mais ça vous surprend vous-même? Ça me surprend, ça me fait plaisir, quoi. Ça me donne des plaisirs d'aller le plus loin possible. Je me souviens même, je sais pas, d'avoir... pu exprimer des sentiments et même d'avoir des attitudes ou même des manières d'être que je n'aurais pas laissé voir dans la vie quoi réelle. Monstre sacré, sacré monstre, vous vous en souvenez? Oui. Vous étiez seul hein, en scène. Oui. C'était au festival d'Anjou, notamment en plein air, vous y avez joué. Oui. Oui. Et là, il y a un garçon qui s'appelle Francis Perrin, oui, et qui vous avait vraiment poussé à le faire. Il nous le raconte, c'était le jour où. La première fois qu'André a joué en plein air, c'est quand je lui ai demandé de venir jouer Sacré Monstre, Monstre Sacré, le spectacle qu'il jouait en 2002. J'étais le directeur du festival d'Anjou à ce moment-là et il m'a dit « Oui, mais j'ai jamais joué en festival, je veux pas jouer en plein air, c'est pas un spectacle qui est fait pour ça. » Jusqu'au dernier moment, j'ai cru qu'il ne viendrait pas, mais je crois que l'amitié a été la plus forte. Et la confiance, et il est venu jouer, et il a fait un triomphe. J'étais assez content de le sortir un petit peu, et puis de lui faire prendre une décision qui n'était, ou peut-être qu'il n'avait pas envie de prendre, quoi. C'est ça. Ça m'a fait plaisir. Donc voilà, ça fait partie aussi de cette amitié de marbre dont on a fait un socle très très solide depuis le conservatoire, depuis une amitié de plus de 40 ans. Ça, c'était en 2002. Oui. Est-ce que, effectivement, l'amitié dont parle Francis Perrin, est-ce que ça joue dans son itinéraire, dans son parcours? Oui, oui. C'est tellement... Mais il y a de la concurrence, il y a de la compétition entre vous. Oui, il y a de la compétition, et puis il y a aussi ce côté éphémère du métier qu'on pratique, et qui fait que, d'un film à l'autre, on passe d'une famille, de façon, et on vit ça de façon très intense, pendant 2 mois, 3 mois, puis après... ça se volatilise, chacun part dans un autre coin, donc c'est très difficile de créer des liens durables. Et c'est vrai que le théâtre permet peut-être davantage que le cinéma de solidifier les liens et de garder des liens durables toute la vie. Mais c'est très difficile entre comédiens, mais on y arrive quand même, parce qu'il y a évidemment des circonstances, des périodes de vie qui font que des amitiés naissent. Des affinités très grandes. Bien sûr, bien sûr. Quel est le rôle qui a été le plus intrusif dans votre propre vie?
intrusif, c'est-à-dire... Mmh. Celui vraiment que vous aviez du mal, le soir en rentrant chez vous, à délaisser. Ah, j'ai du mal à délaisser les rôles, quoi. Je continue à y penser tout le temps et à vivre un peu avec. Je les laisse ce soir parce qu'il faut laisser reposer tout ça et pour pouvoir reprendre avec fraîcheur le travail le lendemain. Mais en même temps, c'est un travail et de maturation et de... Donc, je les garde avec moi et voilà. C'est une fois que le film est terminé. Ah oui, ça, alors là, ça, on passe à autre chose. Ouais, à Kleenex. Oui, oui. Mais il y a des rôles, par exemple, bon, je reviens à Staline, mais Staline, c'était vraiment tellement loin de moi que je ne ressemble pas ni physiquement ni intimement à Staline. Donc, il y avait tout un travail de construction qui était. Voilà, puis en plus, je devais lui ressembler. Donc, il y avait vraiment un gros travail à faire. Et ça me plaisait beaucoup. C'est un défi de comédien idéal, quoi. Bon. Mais un acteur a quelle responsabilité auprès du public ? Ah, une responsabilité, le mot est peut-être un peu fort. Mais disons qu'il peut, indiquer au public ce qu'il aime... l'importance des choix qu'il fait. Donc en regardant votre filmographie, on vous connaît. Il me semble. Et en jouant aussi, je me raconte aussi. Et donc à travers les choix. Mais pour moi, vous me posez la question, pour moi, ce qui est le plus important, c'est le scénario, quoi. Parce que c'est ça que le public va choisir. Donc quand je reçois des scénarios, c'est le scénario qui va être déterminant. Puis ensuite le rôle, puis ensuite le contact avec le metteur en scène. Mais c'est l'histoire. Quand je me dis, est-ce que les gens vont aller voir cette histoire ? À quoi vous vous attachez lorsque vous choisissez un personnage ? Ce sera son physique, ce sera sa gestuelle, son comportement, son mental, éventuellement même son parfum. Certains acteurs et actrices disent « je change de parfum à chaque fois je change de personnage ». Oui, 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 on change de tout. Hein. C'est-à-dire que vraiment, si on veut pousser le travail le plus loin possible, même la voix, elle est différente un peu de personnage en personnage. Ce n'est pas des nuances peut-être extrêmes, mais quand même, chaque personnage implique une certaine tessiture ou un comportement, une attitude. Donc c'est vrai qu'on rentre dans un autre monde. On le fabrique aussi avec soi-même et aussi avec son imagination et avec son expérience, avec le fait d'avoir vu, d'assimiler ce personnage avec des gens qu'on a pu croiser. Mais c'est une création à l'arrivée. Donc, j'ai oublié la question en cours de route, mais enfin, disons que c'est un plongeon, quoi, dans une bulle qu'on crée. Novecento, c'est l'histoire d'un pianiste qui est abandonné par ses parents sur un paquebot. Oui, absolument. Il va être récupéré et élevé par l'équipage durant des années. Et ce jeune garçon va devenir un pianiste célèbre, ça va devenir un phénomène et il ne connaîtra jamais la Terre. Exact. Continuez. Ben oui, c'est comme une fable, c'est comme un conte de Barricot qui touche beaucoup les jeunes générations d'ailleurs. Et je le comprends très bien parce que, en fait, sur cette terre, quand on y arrive, il faut trouver sa place. Et à force de vouloir trouver sa place, peut-être qu'on se perd soi-même profondément. Et on voit bien que dans la vie de chacun, c'est plutôt au fil de la vie que. On peut le faire dès le départ, mais c'est toujours assez courageux de vouloir faire absolument ce qu'on a envie de faire et de s'y tenir. Et quelquefois, on est dans des contraintes matérielles qui font que il faut bien vivre et exister. Donc, Novecento, c'est vraiment le type même de cet enfant abandonné sur un bateau à qui on propose d'aller sur Terre parce qu'il joue magnifiquement. Et puis, il aura l'impression de se perdre sur Terre. C'est trop grand, ce monde-là. Et sur les 88 notes noires et blanches, il a l'impression qu'il va le plus loin possible, qu'il va très loin. Alors, c'est vrai qu'en plus, il est sur un bateau qui va de l'Europe à l'Amérique et de l'Amérique à l'Europe. Donc, il entend toutes les musiques, Debussy, Ravel en Europe. Il entend le jazz en Amérique et il s'amuse avec tout ça. Et donc, il a un répertoire gigantesque, magnifique et qui fascine. Et sur scène, donc, vous racontez son histoire, mais pourquoi vous avez choisi un quartet de jazz ? Parce que... Vous auriez pu choisir un orchestre symphonique. Oui, non, on aurait du mal peut-être à les convier sur scène et à monter le spectacle, parce que c'est difficile. Mais le quartet, il y avait à la fois le personnage qui raconte l'histoire, c'est il est trompettiste. Donc il y avait un trompettiste, ça s'imposait. Le Novecento, il est pianiste. Et c'est vrai qu'un quartet permet, avec un batteur et une basse, de pouvoir avoir toutes les nuances et d'aborder tous les répertoires et tous les standards de jazz de cette époque-là. Donc, et en plus, ces musiciens que j'aime infiniment sont
Garot dirait des musiciens, parce que tellement on échange les répliques avec la musique. Ces musiciens ne se connaissaient pas et ils ont été choisis par un directeur musical et l'harmonie, vraiment, s'est faite d'elle-même. On regarde un extrait. On jouait 3-4 fois par jour. Pour les premières classes d'abord. Ensuite, pour les secondes. Et le soir, quelquefois, on descendait tout en bas, sur le pont des troisièmes. On jouait comme ça nous venait, pour le plaisir, sans uniforme. Pour les émigrants qui jouaient avec nous, eux aussi. On jouait longtemps. Toute la nuit, parfois. Parce que l'océan est grand et qu'il fait peur. Pour que les gens ne sentent pas le temps passer. Pour qu'ils oublient qui ils sont, où ils sont. Pour les faire danser aussi. Parce que quand on danse, on ne meurt pas. On jouait du ragtime. Parce que Dieu, quand il danse, c'est la musique qu'il préfère. Parce que c'est sur cette musique que Dieu danse quand il est seul et que personne ne le regarde. Alors, André, durant tout l'extrait... Oui. Voilà, il n'a cessé de me dire, mais non, c'est pas du tout ça, c'est pas un bon rendu, oh là là, le théâtre à la télé, ça c'est vrai. Ah oui, le théâtre à la télé, c'est assez redoutable. Non, ben oui, parce qu'on joue devant, par définition, pour 800 personnes, et donc, ben voilà, il y a une hauteur de voix qui ne va pas une fois qu'on est... Oui, bien sûr. Quand on a l'image et qui nous fait entendre comme si on criait. C'est vrai que le théâtre, quelquefois, c'est bien parce qu'on peut le voir, c'est un témoignage de la pièce qu'on n'a pas vue, mais le théâtre à la télé, ouf. Être seul en scène, sans partenaire, c'est vertigineux? Alors là, j'ai des partenaires qui sont des musiciens, oui, mais oui. C'est vrai que c'est vertigineux parce que... Personne ne vous donne la réplique. Non, c'est vrai. Sauf que, même dans un monologue comme ça, je joue avec le public. Quoi. Le public ne dit rien, évidemment, mais vous êtes complice. Oui, c'est une complicité qu'on induit parce que... Il y a le silence, il y a le suspense, on ne sait pas, ils ne savent pas. Puis ça passe vraiment d'une atmosphère à l'autre. Et puis je joue un peu tous les personnages à travers ce monologue. Le commandant, une femme qui est là. Et donc, du coup, il y a une variété immense et je peux jouer avec tout ça et ménager mes effets, comme on dit, pour simplifier. C'est une discipline, ça réclame une énorme discipline. Un travail. Une hygiène de vie aussi. Ah oui. Le théâtre, c'est vraiment proche du travail de sportif. Oui, Sandrine Bonnaire, d'ailleurs, la semaine dernière, disait c'est un sacrifice. Et moi, j'y arrive pas, disait-elle. C'est vrai? quand on y goûte, c'est difficile de s'en passer après. Parce que quand on est là à vivre les choses en direct avec le public, à partager les émotions et ce qu'on dit et ce qu'on ressent, oui, c'est extraordinaire. Parce que le cinéma, c'est un peu en différé, c'est bien, c'est un autre plaisir. Mais le théâtre, c'est... Ouh là là, c'est assez vertigineux parce que c'est très fragile, c'est l'instant. Quoi. Donc à chaque représentation, on peut être différent. Dans vos choix artistiques, en fait, André, vous privilégiez souvent le renouvellement, c'est-à-dire la nouvelle génération. Oui. Je trouve que depuis ces dernières années, vous y prêtez très attention. Oui. Alors si je vous dis Nicolas Pariset, oui. Répondez alors, quoi? C'est Le Grand Jeu, par exemple. Voilà, vous avez travaillé sur son premier film, oui. Le Grand Jeu. Oui. Et si je vous dis Caroline Vigneault? Caroline Vigneault, bien, c'est ma partenaire dans un film qui s'appelle À fond, qui a réalisé Nicolas Benamou, et c'est aussi avec José Garcia, et aussi avec Charlotte Gabry. Enfin, voilà, oui. Tous les deux, oui. Oui. On les a réunis. Et ils ont croisé leur regard sur vous. Ah bon? André Dussollier a cette image un peu magique, parce que c'est marrant quand j'en parle à mes copines principalement d'ailleurs, que j'ai joué avec André Dussollier, il y a tout de suite un André Dussollier. C'est la première fois que j'ai travaillé avec un artiste de ce niveau en fait. Il dégage un truc de gentleman, de chevalier, merveilleux. Je sais pas si c'est une qualité aujourd'hui qu'on trouve aux gens, mais c'était quelqu'un de poli. Non seulement il a de la politesse, mais il connaît toutes les règles de bienséance, des choses auxquelles nous, les filles de ma génération, n'est pas tellement habituées. Par exemple, si vous montez en voiture, il vous ouvre la porte. Et moi, je fais « Ah, bah merci !»
La première fois qu'on a fait une scène un peu longue et qu'il commence à jouer, la scène prend une dimension à laquelle je ne m'attendais pas. C'est-à-dire que c'est pas « Ah, je suis content, elle est bonne, celle-là ». C'est vraiment « Là, il m'a impressionné ». Quand vous êtes en face, c'est que vous lui donnez la réplique à un moment de... Ouais. Vous arrivez sur le set, vous savez que vous connaissiez votre texte et vous soyez prêt tout de suite, comme lui. C'est quelqu'un qui a la rigueur d'un grand sportif ou d'un grand musicien. C'est-à-dire, effectivement, l'instinct est important, mais c'est pas quelqu'un qui laisse les choses au hasard. C'est quelqu'un d'ultra bosseur. Un niveau de connaissance de son texte, pratiquement, je pense qu'il pourrait dire son dialogue à l'envers. Mais non seulement il maîtrise son texte, mais ce que j'ai appris de lui, c'est qu'il maîtrise le texte des autres. Et il sait aussi comment réagir au texte des autres. C'est-à-dire que c'est pas un comédien qui, pendant que vous dites votre texte, comme ça. Quand on est vraiment au cœur de son travail, entre le moment où il est en pleine concentration et le moment où il va jouer, il ne faut pas aller l'embêter, quoi. Sur un plateau, il a ce côté-là un peu fermé, parce qu'on voit que, voilà, et c'est pour ça qu'il vous met la barre aussi haut. Mais ce n'est pas du tout quelqu'un d'austère, c'est quelqu'un d'intéressant, de drôle. André danse, je peux le dire, je l'ai vu danser. Il danse le rock'n'roll, il danse super bien. Après, effectivement, ce n'est pas quelqu'un qui, après une journée de tournage, va nous emmener dans sa Jeep et on va vivre une folle nuit à Paris, dans un squat, où il a un côté, quand même, son art avant tout, quoi. J'aimerais vous dire du mal d'André Dussolier, mais c'est compliqué. En toute honnêteté, comme comédien, quand on prend dans un film, il n'a aucun défaut. Hein. C'est un beau gosse, sexy, séducteur. Et d'ailleurs, j'ai plein de mes copines qui rêvent de le rencontrer, donc je te le dis, André. Je te l'ai déjà dit, mais je te le redis, c'est quand tu veux pas rencontrer mes amis qui me tannent, et ma mère aussi. Surtout ma mère, d'ailleurs. Aussi. Bon, vous j'apprends des choses. Vous préférez rencontrer les mères ou les filles? Ah. Quand quelqu'un me demande un autographe, c'est bien quand même qu'on ne me demande pas pour la grand-mère, quoi, parce que c'est... c'est désagréable. Est-ce que vous êtes conscient que vous impressionnez? Non. Non, 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 non. Non, parce que pour moi, c'est ça qui est le bonheur de ce métier, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque film, c'est un peu le premier film pour moi. J'ai l'impression d'avoir une âme d'amateur à chaque fois. C'est tellement nouveau et on rencontre des gens et on peut... Et puis chacun a sa façon de faire et puis on découvre des univers, des manières de travailler. C'est un plaisir, quoi. Donc du coup, on est jamais dans une grande sécurité. Pour À fond, qui sortira le 21 décembre, vous avez tenu à faire des cascades. Oui. Mais c'est la première fois. Oui, mais je suis très frustré parce que au début, arrive on était dans une voiture, c'est ça le sujet, c'est très simple, une famille part en vacances, rentre dans une voiture et le régulateur de vitesse est bloqué. Bon, alors voilà, qu'est-ce qui se passe? On est bloqué à 130 sur une route, etc. Et donc c'est à la fois une comédie folle par ce qui se passe dans la voiture et pas seulement dans la voiture, parce qu'il y a Florence Foresti qui joue un gendarme, Jérôme Commandeur aussi qui joue le concessionnaire. Enfin bon, on se déplace d'un lieu à l'autre, mais dans la voiture, il y a des règlements de compte de famille. Et donc, il y a évidemment, on est confronté à des folies, quoi, des choses. D'où les cascades. D'où les cascades. Voilà, il fallait aller nettoyer le pare-brise, donc je sortais par le toit et j'allais nettoyer, mais au risque et péril. Donc là, on le faisait vraiment, bah, avec toutes les sécurités qu'on peut prendre au cinéma, donc il n'y a pas de danger. Ça devient une bonne assurance. Non, mais il n'y a pas de danger. Vous auriez aimé faire la carrière de Belmondo? Moi, ça me fascinait toujours. J'adore Belmondo et j'adorais quand il faisait ses cascades et puis son style aussi, sa manière d'être. Je pense qu'il a amené un vent de fraîcheur quand il a commencé, quand je l'ai vu dans tous les films, que ce soit de Godard ou même ceux de Verneuil, voilà, où il y avait cette décontraction, cette simplicité, ce charme aussi qui lui appartiennent. Dans Les Rainées, vous avez chanté. Nous avons eu la surprise de voir que vous chantiez aussi... Enfin, chanter, c'est un grand mot. Oui. Brassens. Alors, c'est une idée de Louis Chédid. Oui. Ouais. C'est une bonne idée, d'ailleurs. Il a repris les beaux textes, les poèmes, en fait, de Brassens. Il a demandé à des comédiennes et à des comédiens. Donc, il y a Audrey Tautou, il y a Karine Viard, il y a François Morel, François Berléand, Valérie Bonneton, etc. Et dont vous. Et vous, vous avez choisi ou on vous l'a imposé, la chanson? J'aimais bien cette chanson et donc je l'ai choisie. Supplique pour être enterré à la plage de Sète, parce que ça m'avait marqué quand j'écoutais Brassens. Voilà, c'est tellement beau. Et alors, quand Louis Chédid a proposé le fait d'enregistrer les textes, on parlait de monstres sacrés tout à l'heure avec Francis Perrin. C'est vrai que tout d'un coup, dans ces textes-là, où je touchais un peu à tout, aux poèmes, aux sketchs, enfin à tout, et de toutes les époques, et bien, tout d'un coup, la chanson, quand on l'entend sans la mélodie, on peut savourer le texte,
la poésie, la beauté, la force des vers. Vous voulez dire que la musique parasite le texte ? Non, c'est tellement lié que, et aussi à la voix du chanteur, que tout d'un coup, bon, ça fait un tout. Et le tout fait que, bon, on ne peut pas entendre la chanson autrement. Tout d'un coup, quand on dit le texte sans la mélodie, et dans son rythme à soi, qu'impose le texte, comme si c'était un monologue, alors ça peut être un peu différent. Quoique. Et si on entendait le début ? Un peu le début ? Oui, s'il vous plaît. Alors. Bon, je suis obligé de mettre. Non, je ne vais pas mettre mes lunettes. Allez, hop. La Camarde, il ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez, me poursuit d'un zèle imbécile. Alors, cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe ta plume, oh mon vieux tabellion. Et de ta plus belle écriture, note ce qu'il faudrait qu'il advînt de mon corps lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture. Et après, voilà, tout de suite son testament qui est magnifique. Et à la fin, d'ailleurs, vous chantez. Je chante, mais je n'ose pas le faire ici. Il fait encore. On est dans l'été indien. Ce serait vraiment dommage de nous précipiter dans l'hiver en chantant les quelques dernières fraises. S'il vous plaît. Votre voix, c'est votre ami ou pas ? Si c'est, ben oui, c'est un élément, mais on n'a pas conscience vraiment. Puis là, j'expliquais tout à l'heure que la voix, ben, ma foi, elle se module en fonction des personnages qu'on joue. La vôtre particulièrement, vous le savez. Mais alors, c'est difficile d'entendre sa voix. Un jour, j'ai demandé à un orthophoniste célèbre, Jean-Habit Bolt, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une belle voix ? Et il m'a répondu, cette phrase qui m'a bien plu, c'est une voix sincère. Et c'est vrai qu'une voix fait partie... Qui ne dissimule pas, qui ne ment pas. Oui, voilà, ça appartient à la personne. D'ailleurs, une voix, ça peut évoluer en fonction de la personnalité et des ans et des années qui passent. Et donc, Vous l'aimez bien ? Mais j'ai du mal à l'entendre. Quand je parle comme ça, parce qu'il faut oublier sa voix, c'est comme quand on joue. Vous avez fait du doublage, vous faites beaucoup de commentaires, de documentaires. Oui. Tout ce que je peux faire avec la voix, j'adore ça, parce que j'ai commencé très tôt avec la voix à enregistrer des radios quand j'étais à la Comédie Française, ou bien... Oui, tout est... J'aime bien que la voix soit un élément qui peut tout raconter, quoi, et une histoire avec le suspense et tout. Même une histoire extrêmement tragique, oui. Là, vous avez donné la voix d'Antoine Léris, Vous n'aurez pas ma haine, et qui raconte donc l'histoire tragique de sa femme qui est décédée au Bataclan. Ça sort le 12 octobre. Oui. Alors, on est allé rencontrer en fait l'association, vous savez, les donneurs de voix. Ce sont des bénévoles qui enregistrent des livres, vous l'avez fait très certainement, pour les malvoyants, pour les handicapés moteurs, pour les enfants aussi dyslexiques. C'est vraiment quelque chose de très utile, c'est Magali Defer et Pierre Coussier. Bienvenue à la Bibliothèque Sonore de Paris. Il y a sur la France 116 bibliothèques sonores, Paris étant la plus importante. Ça s'adresse à toutes les personnes qui sont empêchées de lire. Quelqu'un qui a perdu la vue s'isole. La bibliothèque sonore permet de rompre l'isolement de ces gens-là. Là, il y a 9000 titres. Le donneur de voix est un bénévole qui vient ici parce qu'il a envie d'enregistrer un livre. C'est pas évident de savoir lire un livre, savoir poser sa voix et puis savoir créer de l'émotion, en fait. Et donc, si vous voulez, ce casting est pour ça très, très difficile. Je suis donneuse de voix depuis 3 ans. C'est un travail assez solitaire, mais avec toujours l'idée en tête qu'on lit pour quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas du tout la même chose que de lire pour soi-même. Il faut que la voix porte bien, assez haute, bien articulée, bien sûr. Pendant quelques moments dément, les deux poulets décapités coururent dans tous les sens. On peut faire passer énormément de choses à travers la voix. Quand j'interroge des audiolecteurs, ils nous remercient toujours chaleureusement de cette ouverture qu'on leur donne, de cette possibilité de voyager encore à travers les livres. La cour de récré de Jean Sicardi. Ah super, c'est bien le livre que j'attendais. Je m'appelle Rina, je suis... déficiente visuelle, c'est une maladie héréditaire. Et ça fait une dizaine d'années que, malheureusement, ma vue baisse. Si je n'ai plus la lecture, c'est un vide pour moi.
Il y a un vide, et c'est vrai que ce vide est comblé maintenant par les donneurs de voix. Et comblait un interminable abandon. Je lis entre 15 et 20 livres par semaine, puisque malheureusement, je ne travaille plus. Toute la journée, j'ai le lecteur de CD qui fonctionne. J'ai pas l'impression d'écouter. Pour moi, je lis parce que justement, cette personne, en lisant le livre, elle dégage des émotions. Il fait un temps de temps. Je connais le désespoir dans ses grandes lignes. C'est comme le André vent... Dusselier, j'ai eu la chance de lire un de ses livres. C'est une voix qui me touche beaucoup parce que c'est quelqu'un... Enfin, je ne connais pas personnellement, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très sensible. Merci à tous ces gens et merci à André Dusselier qui lui aussi, par sa voix, apporte beaucoup. Oui, et ce sont de plus des CD qui sont envoyés gratuitement. Mmh. Et ça sur justificatif médical. Proust, par exemple, alors, outre cet aspect-là... qui donne aux personnes la possibilité de découvrir des livres ou de les entendre. Il y a aussi le fait que, tout d'un coup, quand on lit Proust, moi, j'étais un peu paresseux, et ça m'ennuyait un petit peu au début, quand je l'ai découvert, et tout d'un coup, de le lire, ça lui donne une réalité, un relief, ça fait ressortir son humour, sa sensibilité, et tout d'un coup, ça permet, dans ce monde où tout va très vite, aux gens d'écouter Proust à tout moment et de le découvrir. André, une question un peu personnelle. Oui. Est-ce que vous êtes toujours célibataire? Oui, je suis célibataire. Ça va faire plaisir à certains et à certaines. Je suis célibataire et... Oui, mais je ne sais pas si ça fait plaisir, parce que... Peut-être parce que, je ne sais pas, c'est l'amour de la liberté, quoi, qui fait que peut-être... Alors, je ne dis pas que je vis comme un moine, mais j'aime bien ma liberté. Elle est prépondérante. J'ai toujours aimé la liberté, la possibilité, mais peut-être aussi parce que quand je n'étais pas célibataire ou que j'étais en couple ou que j'avais l'impression d'être de m'oublier, quoi, peut-être. Alors du coup, j'ai pas trouvé forcément toujours le bon équilibre. Est-ce que ça signifie aujourd'hui, pardon, mais ça signifie aujourd'hui que vous êtes plus auto-centré? En tout cas, peut-être qu'avec l'échéance et la vie qui passe, l'âge véritable, comme disait Capus, ce n'est pas le nombre d'années qu'on a vécues, mais c'est le nombre d'années qui nous reste à vivre. Et donc là, maintenant, je ne sais pas, j'ai l'impression de vouloir profiter de la vie et des rencontres, d'ailleurs, qu'elle peut m'offrir, mais d'avoir peu la liberté, en effet, de choisir ou d'articuler le temps comme j'en ai envie. Avec de la fantaisie. Oui. Comment vont vos enfants? Très bien. Oui. Très bien. Ils sont dans l'âge et dans les moments de choix de vie. Alors Léo, il est beaucoup sur les réseaux sociaux. On l'a vu, il donne sa voix à l'équipe 21. Il est journaliste. Il se lance un peu aussi dans le métier de comédien. Oui, il veut devenir comédien maintenant. Ouais. Mais il se débrouille tout seul et moi j'aime bien qu'il le fasse comme ça. Beau mec, hein. Oui. Et donc il se débrouille, il veut avancer et à sa façon, et je pense que c'est la meilleure façon de faire, parce que de toute façon, chaque comédien est né à une certaine époque. Moi, je leur ai toujours dit à Léo, comme à Julia d'ailleurs, qui est aussi attiré par ce métier et qui le pratique, eh bien, que de ne pas être seulement comédien, mais de travailler aussi avec toute leur génération, d'écrire, de mettre en scène, etc. Jolie fille aussi. Oui. Vous êtes, il y a une certaine fierté d'être père de ces deux enfants. On est toujours heureux et en même temps, on est partagé entre l'envie d'accompagner et puis l'envie de leur laisser la liberté. C'est toujours un moment un petit peu particulier, ce moment où on n'est pas forcément encore, comme à leur âge, engagé définitivement dans une voie professionnelle. Ils en sont juste au bord, quoi. Donc, on a envie d'être là, présent. En tout cas, c'est le minimum que je puisse faire. André, je vais vous emmener au dos à dos. Ah, allez. Voilà. Dos à dos avec vous, André Dusselier, des réponses du tac au tac. Votre plus gros et grand moment de solitude? La nuit, parfois. Les insomnies. En raison de votre notoriété, qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire? Oh ben, rien. Je me permets tout et ça me... Non, non, il ne faut pas exagérer. La personnalité que vous aimeriez rencontrer? Ah, ouf. Philippe Roth. Le métier que vous n'auriez jamais pu exercer?
percepteur. L'incivilité qui vous laisse sans voix. Le téléphone dans la rue. Votre définition du bonheur. Suivre sa pente en montant. Le meilleur prétexte pour couper net une discussion lorsque vous croisez quelqu'un qui vous accapare. Le téléphone. Le paradoxe. Qu'est-ce qui vous met en colère? L'irrespect. La dernière fois qu'on vous a traité de vieux con. J'ai pas entendu. Quel objet aimeriez-vous emporter dans votre tombe? Aucun objet, ça sert à rien. Mais par contre, je volerais bien une épitaphe que j'ai lue il n'y a pas tellement longtemps chez Cocteau. Je débute. Joli. Et une chanson qui vous rend joyeux? Billie Jean, Michael Jackson, parce que on a envie de danser tout de suite. Puis j'ai vu en fait tous les clips et je vois l'évolution de l'artiste à travers les différentes époques où il a chanté cette chanson. Bon, alors je vous invite à danser? Non, pas aujourd'hui, je sais. C'est ridicule de danser sur un fauteuil. Danser sur un fauteuil, c'est vrai que c'est pas pratique de danser sur un fauteuil, ça je vous l'accorde. On vous le dit, si vous avez loupé le début, en fait, André Dussolier est pour Novecento au Théâtre du Rond-Point. Il va reprendre très rapidement ses représentations. Il y a eu une petite parenthèse, sans, pour des raisons de tendons fragiles, voilà, mais tout va repartir très très vite, et surtout vous pourrez aussi le revoir et le voir en province, oui. Puisque jusqu'au 6 mars 2017, voire peut-être plus, oui, vous serez dans plein de villes dans plein de villes en France, en Belgique, un peu partout, et même au Canada. Vous adorez ça? J'adore, oui, partager. Aller au contact des autres. Au contact des autres, aller dans toutes les villes, c'est vrai que c'est un plaisir. Et surtout quand le spectacle qu'on joue... Mais vous êtes accessible après? On peut vous inviter à dîner, autant avant, je reste enfermé dans ma loge pour bien me concentrer, mais autant après, j'aime bien partager. Et au contraire, oui, j'adore, bien sûr. C'est-à-dire les fans peuvent être discuter, rencontrer, vous inviter à prendre un pot, tout est possible. Tout est ouvert. Oui, c'est ce qui se passe, on continue. Je suis avec l'orchestre et on va au restaurant et on continue à jouer, à chanter et à parler. Joyeux. Dans les coulisses de la Comédie Française, vous y êtes resté très peu. Très peu. Une année. Oui. Voilà. C'est un reportage, en fait, de Laetitia Sénac, dessiné par Damien Roudot. C'est aux éditions de La Martinière. Je vous l'offre. Merci. Je voudrais remercier celui qui est exposé sur le plateau de Théo Café. Son nom est Pierre Antoniucci. Il expose jusqu'au 23 octobre à la galerie Arici, 26 rue Keller à Paris, dans le 11e. La peinture de Pierre Antoniucci est à la frontière de la figuration et de l'abstraction. Sa peinture est mate, matirée, c'est ainsi qu'il l'a définie. Merci d'avoir exposé sur ce plateau. Portez-vous bien. Merci Catherine. Ouais. Merci. Le théâtre, ça met en vie et en joie, donc ça va repartir, vite. De toute façon, le moral est là. Demain, c'est Jean Tellet qui sera avec nous. Il nous parlera de son nouveau livre. C'est un livre qui déroute, mais qui est particulièrement intéressant, avec Florence Sestac. C'est son amie de toujours. C'est la dessinatrice Florence Sestac. Ils seront tous les deux sur le plateau de Théo Café. Passez une très très bonne journée, portez-vous bien. L'émission consacrée à André Dussolier, elle est rediffusée la nuit, vous le savez, sur France 2. Vous pouvez la revoir en plus, sur plus.fr et puis aussi sur notre chaîne YouTube. Donc vous n'aurez que des mauvaises raisons si vous ne l'avez pas vue, cette émission avec André Dussolier, parce qu'on peut la voir sur énormément de médias. Portez-vous bien, passez une bonne journée, qu'elle soit ensoleillée. Et André, youpla boum. Oui, absolument. Au revoir, à demain. Merci.